Salut mes petits grisous. Allez, bah écoutez, je vous ai pas donné de nouvelles mercredi, j'étais très occupé. Ça skie au taquet depuis 2 jours. Je suis en Serbie, je suis à Belgrade et on se met du ski à gogo. C'est du 10 heures par jour. Du coup, j'ai pas posté la vidéo de mercredi parce que ça ride taquet. Ouais, là je vois qu'il y a certains glissous qui se posent des questions. Il y en a qui connaissent leur géographie, les glissous, c'est bien. Effectivement, Belgrade, c'est pas trop le paradis du ski normalement. Pas de montagne, pas spécialement de neige. Et pourtant, on se gave, mes glissous. On se gave. Bon, allez, fini les secrets. Et je vous fais découvrir ce que je vous ramène à Montpellier-Palavas. À partir du FIZ, on va se régaler, les glissous. Alors les glissous, qu'est-ce qu'on en dit? Je vous en ai plein la vue là. Ouais, je sais, moi j'ai un niveau. Voilà quoi. Comme je vous l'ai dit une fois, on est fort quelque part, on est fort partout. Voilà, bon. Je suis doué, c'est comme ça. Et ouais, bah je sais, il y a des jaloux. Bon, ok, j'avoue, les glissous, c'était pas moi. J'ai juste mis le casque. Non, moi le snowboard, je suis pas assez bon. Donc on va y aller en ski. Vous allez voir. Je vais vous montrer d'abord ce que fait un pro, et puis derrière, on va vous montrer ce que moi je sais faire. Vous êtes prêts? Voilà, je vous montre ce que un bon rider peut faire, un rider de bon niveau peut faire, d'accord? Après, je vous montre ce que moi je sais faire. Tenez-vous prêts, vous allez voir ce que c'est qu'un pro du ski en board short. Ah ouais, il met les chaussures. Je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même. Je fais du ski depuis que je suis petit. Et vous allez voir que il y a plein de choses à apprendre sur la machine. Déjà, j'ai pas serré assez les chaussures. Ça commence bien. Yes. Hey, good luck, Bastien, good luck. Yes, thank you. C'est très important. Cette fois, elle est lancée. Ok, I'm ready, so really slow. You ready? Yes. Yeah. Vincent. Ooh. Hey. Déjà, quand tu dis beau gosse ici, c'est déjà le style. Bon, t'as déjà vu le film Les Bronzés font du ski, bon bah c'est la même.
Surtout, on ne fait pas comme moi, on pense aux plantés de bâtons. Voilà, c'est la technique vraiment des bons sans bâton. Just to look something better. Tiens, par contre, je vais la prendre un tout petit moment. Facile. Et je peux me regarder dans la glace en plus. Bon, il va venir m'aider, j'ai besoin de cours. Non. Ok. Ok, now, go. Great. Ok, now, try to bring other skin parallel. Try. Just try. Great. And when you bring to other skin, go on the edge. Go on the edge. Bottom of your knees. Ok, now, bring and go on the edge. Go on the edge. Great. Now, stand up, turn and go on the edge. Go on the edge. Come on. Bon bah mes glissous, ça y est, la démonstration est terminée, vous avez vu, je vous en ai mis plein les yeux. Pour plus d'infos très bientôt sur les dates, etc. Juste pour vous donner quelques infos, le tapis donc qui va entre 0 et 25 km/h. Vous avez la possibilité d'incliner le tapis donc entre 2% de pente et 24% de pente. En gros, on est de la piste verte à la piste noire. C'est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait penser. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je skie depuis un moment, mais j'ai l'impression là, de tout redémarrer. Donc, vraiment, il y a des trucs sympas à faire. On se donne rendez-vous très bientôt pour en parler un petit peu plus. Moi, je vous dis bon week-end, les glissous. Et à très bientôt. Tchou.